Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour les amis! Bonjour Mimi Soleil! C'est Mimi Soleil! Mimi Soleil! Regarde mes maisons hantées. Est-ce que tu aimerais les ouvrir? Oui. Pour les ouvrir, il y a une petite formule d'Halloween à réciter. On va commencer par la maison violette. Écoute bien. Pop, 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 saperlipopette. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison violette? Attention, je l'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Un chapeau de sorcière. Je pose le chapeau de sorcière ici. C'est parti pour la formule pour la maison rouge. Pop, 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 saperlipopouge. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison rouge? C'est parti, on regarde. Une petite chauve-souris. Une chauve-souris. On ouvre la maison orange. Pop, 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 saperlipopange. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison orange? Je l'ouvre. Oh! Une citrouille. Une citrouille. Il nous reste plus qu'une maison. Pop, 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 saperlipopise. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison grise? Alors. Un petit fantôme. Un fantôme. Je le pose ici. J'entends le téléphone sonner. Je vais répondre. Allô? Allô, allô? Allô? Halloween! Oh, Lulu, tu me fais une petite blague! Allô, Halloween! Mais oui, j'adore ta blague, Lulu, merci! Tiens, pendant que tu es là, Lulu, est-ce que tu préfères les petites citrouilles ou est-ce que tu préfères les grosses citrouilles? Les petites citrouilles! Ah oui? Pourquoi préfères-tu les petites citrouilles? La grosse, elle pourrait m'écraser! Oui, c'est vrai, Lulu, il faut faire attention. Mimi Soleil! Oh, qu'est-ce qui se cache derrière mes petits voiles blancs? Est-ce que tu arrives à deviner? C'est des citrouilles, oui. Je vais te présenter chaque citrouille. La première citrouille, c'est la citrouille joyeuse. Elle est contente, elle est joyeuse, elle est de bonne humeur. Regarde, on le voit, elle a un grand sourire. Est-ce que tu peux faire un grand sourire comme la citrouille joyeuse? Oui, exactement. À côté, il y a une autre citrouille. Je vais te la présenter. C'est la citrouille qui a peur. Regarde. Elle a des grands yeux et elle a la bouche ouverte. Est-ce que tu peux imiter la citrouille qui a peur? Oui, exactement. On continue. On regarde la prochaine citrouille. C'est la citrouille qui est triste. Regarde, elle a la bouche qui tombe et elle a des petits yeux. Est-ce que tu peux faire la citrouille qui est triste?
éblouie comme ça. Allez, on regarde la dernière citrouille. C'est la citrouille qui est énervée. Elle est en colère, elle est fâchée. Tu vois, elle a les dents serrées et les sourcils froncés. Est-ce que tu peux imiter la citrouille qui est en colère? Oui, exactement. On va essayer encore d'imiter chaque citrouille. Est-ce que tu peux faire la citrouille joyeuse? La grande bouche, oui, le grand sourire. Et la citrouille qui a peur? Oui. La citrouille qui est triste. Et la citrouille énervée. Super, tu sais imiter toutes les citrouilles maintenant. C'est une vieille sorcière qui s'appelle Grabouilla. Graboubou, 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 Grabouilla. Elle passe par la chatière du gros chat Ramina. Ramimi, 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 Ramina. Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère. Se cache dans la gouttière la maison Nicolas. Nicoco, 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 Nicolas. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Mais un jour la sorcière mangea trop de chocolat. Chococo, 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 chocolat. Elle entre chez l'épicière et vole des petits nougats. Petit nounou, petit nounou, petit nounou, petit nougat. Elle mange une boîte entière, puis elle boit de la bière. Elle dit d'un ton amer, j'ai mal à l'estomac. L'estoto, 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 l'estomac. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Mémé Toulaï. Regarde, j'ai un petit pompon orange. Je vais le cacher dans une de mes mains et tu vas essayer de deviner dans quelle main est caché le pompon. Alors, quelle main tu choisis? La main droite ou la main gauche? Attention! Il était dans cette main! Mémé Toulaï! Qui suis-je? Je suis un animal volant, tout noir avec des yeux jaunes. Tu m'as trouvé? Je suis la chauve-souris. Bravo, bravo, bravo! Avec un drap sur la tête, on peut se déguiser pour me ressembler. Qui suis-je? Le fantôme. Bravo, bravo. J'ai le teint verdâtre, un grand chapeau pointu et un balai. Qui suis-je? Je suis la sorcière. Bravo. Tu imites le rire de la sorcière avec moi? Je suis un gros fruit de couleur orange. Tu m'as trouvé? Je suis la citrouille. Bravo! Mémé Toulaï! Est-ce que tu veux faire un petit fantôme avec moi?
Oui. Pour faire un fantôme, tu as besoin de matériel. Tu as d'abord besoin de mouchoirs. Il te faudra 3 mouchoirs. Ensuite, tu auras besoin d'un petit élastique. Et pour terminer, un feutre pour pouvoir faire les yeux, la bouche et le nez si tu veux. Alors c'est parti. D'abord, on prend 3 mouchoirs. 1, 2 et 3. Je prends 3 mouchoirs et j'en garde 2 dans ma main et le troisième mouchoir, je le pose à côté. J'ai 2 mouchoirs dans mes mains. Je les mets ensemble et je vais faire une petite boule. Et voilà, j'ai fait ma petite boule. Je prends maintenant mon troisième mouchoir que je vais poser sur le dessus de ma boule. Comme ça. Il y a toujours la petite boule en dessous. Coucou. Voilà. Et je prends mon élastique maintenant pour pouvoir attacher le troisième mouchoir et en faire un petit fantôme. Regarde. Voilà. Il me reste maintenant à faire le visage de mon fantôme. Alors, je vais lui faire des yeux, une petite bouche. Regarde. Coucou le fantôme. À ton tour. On joue encore une fois. Alors, je mets le pompon dans une main. Dans quelle main est-il? Cette main? Cette main? Attention, on va le découvrir. Cette fois, je l'avais mis ici. Une citrouille, un fantôme. Une citrouille, un fantôme. Une citrouille. Hein? Qu'est-ce qui vient ensuite? C'est le fantôme. Miaou! 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 Est-ce que tu me reconnais? Je suis Mimi Soleil, ou plutôt Mimi Chat. Tu sais, c'est bientôt Halloween, et pour Halloween, on peut se déguiser. Est-ce que tu as choisi ton déguisement? Moi, j'hésite encore. Peut-être je vais me déguiser en chat, mais peut-être que je vais me déguiser en citrouille ou en sorcière. Je peux aussi me déguiser en fantôme. Je ne sais pas encore. Ou bien je vais faire un maquillage sur le visage. Je vais réfléchir. Oh, je veux te présenter un nouvel œuf. Un gros œuf. Attention, tu es prêt? Regarde. Mais je t'ai dit qu'il était gros, oui. Très très gros, regarde. On va l'ouvrir ensemble. Pour cela, il faut que tu me dises la couleur de cet œuf. Cet œuf est violet, cet œuf est mauve, oui. Alors, on va l'ouvrir, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Regarde, c'est un petit chat. Coucou le chat, coucou. Tu lui dis bonjour. Miaou, miaou. Une araignée sur le plancher se tricote des bottes. Dans un flacon, un limaçon enfile sa culotte. J'ai vu dans le ciel une mouche à miel pincer sa guitare. Un râteau confus sonnait l'angélus au son de la fanfare. Une araignée sur le plancher se tricote des bottes. Dans un une mouche à miel pince sa guitare. Un tout confus sonnait.
mimi-tou-l'œil. Maintenant, on va jouer au jeu de Kim. Tu vas fermer tes yeux, je vais cacher un objet, je vais le remettre dans sa maison. Et tu devras deviner de quel objet il s'agit. On commence. Tu fermes tes yeux. Et tu peux rouvrir tes yeux. La maison orange s'est refermée. Qu'est-ce qu'elle contenait ? On va faire la formule pour rouvrir la maison. Pop, 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 saperlipo, penche. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison orange ? Et j'ouvre la maison. C'était la citrouille ! La citrouille ! On va recommencer ? Tu fermes tes petits yeux. Et voilà, tu peux rouvrir tes yeux. Quelle maison s'est refermée ? C'est la maison violette. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? On va réciter notre formule. Pop, 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 saperlipopette. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison violette ? Allez, je l'ouvre ! C'était le chapeau de sorcière. Le chapeau de sorcière. Une citrouille, un fantôme, une sorcière, une citrouille, un fantôme. Et ensuite, une sorcière. Mimi tou l'œil. Écoute ma comptine d'Halloween. C'est une boule orange très étrange. Elle a une grande bouche. Ça, c'est louche. Ainsi que deux gros yeux et du feu qui clignote à l'intérieur. Oh, ça fait peur. Pas besoin d'avoir la trouille. Ce n'est qu'une citrouille. Combien de citrouilles vois-tu sur cette image? Je te laisse les compter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8. Il y a 8 citrouilles. Une grosse citrouille qui roulait toujours rencontre une grenouille qui lui dit bonjour. Comment tu t'appelles, toi qui es si belle? Je m'appelle citrouille, petite fripouille. Une grosse citrouille qui roulait toujours rencontre une grenouille qui lui dit bonjour. Comment tu t'appelles, toi qui es si belle? Je m'appelle citrouille, petite fripouille. Mimi tou l'œil. Allez, on joue une dernière fois au jeu du pompon. Dans quelle main je vais mettre mon pompon? Est-ce que tu penses qu'il est dans cette main-ci? Ou dans cette main-là? Je les retourne. Oh! Il y a deux pompons! C'est la magie d'Halloween!
Regarde, ça y est, j'ai choisi mon déguisement. Je me déguise en squelette cette année. Regarde. Ah ! Ah ! Et toi, as-tu choisi ton déguisement ? J'adore Halloween. On peut se déguiser, on peut sculpter des citrouilles et décorer notre maison. Et surtout, on peut manger des bonbons. J'adore les bonbons. J'ai une idée. On va faire un petit jeu. Toi et moi, on va imaginer qu'on va chercher des bonbons ensemble. Alors, tu prends ton seau ou ton sac pour mettre les bonbons dedans. Alors on marche, on va essayer de trouver une maison qui est décorée. On marche dans la rue, on marche sur le trottoir. Je vois une maison, on va frapper à la porte. On attend. Quand quelqu'un nous ouvre la porte, on dit des bonbons ou un sort. On attend. Quelqu'un ouvre la porte. Des bonbons ou un sort. Wow! Oh, la personne nous a mis des bonbons. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Wow! Merci. Au revoir. Allez, on marche. On va dans notre prochaine maison. On cherche une maison qui est décorée. Ça y est, il y en a une ici. Il y a une sonnette, on peut sonner. On attend. La personne ouvre la porte. Qu'est-ce qu'on dit? Des bonbons ou un sort? Wow! Et ensuite, merci, au revoir. Et on peut repartir. Et on peut chercher encore et encore des maisons. Mais j'ai assez de bonbons maintenant. Merci d'avoir fêté Halloween avec moi. Tu chantes avec moi la chanson de la fin? 3, 2, 1. On a joué et chanté. On s'est tous bien amusés. Retrouver Lulu, Marie et compagnie sous le soleil de Mimi. Ciao! Au revoir, Mimi Soleil. Salut, ciao. Au revoir, Mimi Soleil, à bientôt. Bye, Mimi.